comprendre du tout pourquoi nous sommes venus ici. On fuit, on volait. Ah, nous ne sommes même pas sûrs que Titch ne soit pas dans les parages. Ah non, on a des histoires. Comment ça, pas encore? On a tout même oublié notre propre chèque. On lui a dû remettre son trésor. Oh, excuse-moi, cela nous tourne de m'inquiéter quelque peu. Toi, bien sûr, tu as de quoi te réjouir. Après tout, lorsque nous l'avons débarqué, je te reconnais bien la soirée. Seulement j'étais là. Alors que pouvais-tu y faire? Tu étais obligé de me prêter ma porte. Alors ne te blâme pas. Ton heure viendra un jour, c'est tout. Contrairement à ces bigots qui ont tenu à suivre un titre. Ah, je le revois encore sur le fond de la galère. Il y a moins frémissant des exploits qu'il comptait accomplir. Le blémissant devant ma trogne et le fils de ma rapière. Et ces bigots, ces bigots, vous avez beau se jeter sur moi, il n'y pouvait rien. Ah, je me demande combien j'ai pu en retirer, tiens. Une bonne centaine, je pense. Une centaine, un millier plutôt. J'ai perdu le compte à un moment ou à un autre. Oui, au début, sans doute, alors que tu t'es évanoui. Je ne me suis pas évanoui. J'ai seulement stimulé de ne pas supporter le projet d'être pendu par les pieds comme un vulgaire brochet. Et puis, au moment opportun, je me serais relevé. Là, je les aurais surpris et un à un les aurais défaits. Toi, bien sûr, tu n'y as rien compris dans mon stratagème. Pourtant, que je joue la comédie, tu les avais déjà tous picotés. Écoute, mais écoute donc ce que je te dis. Faut être plus rusé pour réussir dans ce métier. Comment crois-tu que j'en sois venu à être ce que je suis, hein? Mais regardez les gars qui est là. Titch, notre ami Pétocha. Que fais-tu ici? Pétocha, toi ici. Je te laisse de te voir. Mais tu verras peut-être que je profite encore dans la grotte dans laquelle tu m'enduirais. Entre nous deux, oui, j'espérais que tu y pourrais bien comme il faut. Ah, c'est ce qu'il me semblait, hein. C'est ce qu'il me semblait. Tu sais que j'ai pas monté sur mes fils à l'aise, toi. Dommage. Bah, avant de partir, tu ne pourrais pas emprunter le trésor qui est là. Tu aurais pas oublié de le laisser des fois. Non, non, pas du tout. Je n'ai rien empruncé du tout. C'est lui. Regarde, il est entre les mains. C'est rare. D'accord. C'est ce qu'il me semblait. Je te propose un marché. Je t'écoute. Soit tu prends le trésor. Ça se passe plutôt bien pour toi. Soit tu vas le chercher avec ton épée. Avec ton épée, du tout. Ouais, celle-là, là. Celle-ci? Ouais. Elle a l'air bien grande et bien lissée. Ouais. Elle me fait un peu peur, quand même. Ouais. Tiens, comme ça. Hein? Montre ton arme. Ah, celle-ci aussi est bien lissée. Tiens, vas-y, va te combattre, je t'en prie. Pour moi, Pétocha. Je vais pas y aller. Vous comprenez son surnom, Pétocha, maintenant? Bien, me voilà. Je n'ai pas de choix. Et là, moi, c'est contre lui que je veux combattre. Bon, soit. Jack, mercenaire, tu m'as bien aidé. Une bourse d'or pour toi, mercenaire. J'en dors, Dieu, ne te bats que pour l'argent. Moi, je me bats pour l'honneur. On se bat pour son avoir. Tiens. Je ne regrette pas. Moins de malin. Tu crois pouvoir me battre? Maintenant, qu'as-tu à faire? Voilà à égalité. Attaque, comme je préfère. Allez, relève-toi. On prend un verre. Je t'achève. Oh.
Vas-y, tu vois. Ce serait ta seule chance. Oh, merde. Me tuer. Jack. Merci bien. À moins. On continue ou comment on fait ça? Allez. Guillaume, à toi, mon ami. Retire-moi cette crapule. Le premier était gros, celui-là est grand. Il te reste aucune force. Parce que je vais pas y aller tout de même. À combien ça s'y fait ton char? Tu changeras jamais. Alors, c'est terminé. Reprenons. Mais quel lourdeau ce machin! Là c'est bien! Oh, ouais, ton chat! Allez! On va pas que ça arrive. Non, attends! Pas cher! Mais. Mais quoi? Une tondelle! Exactement ce qu'il fallait! Vous se passerez? Je m'en occupe! Mademoiselle, je suis votre obligé! Thank you.
Ah. Et voilà, c'est fini. Ah. Un ballon. Non seulement j'ai le trésor, mais j'ai... Ah, la gueule. Oui. Merci à vous.